Soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne destinée au développement de l'être. Une pensée toute particulière à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent depuis les derniers jours. Et pour toutes et tous, si vous voulez connaître l'actualité de cette chaîne et de toutes mes activités, d'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et vous recevrez ainsi vraiment une actualité la plus épurée possible, la plus directe possible, concernant les activités de la chaîne, de la thérapie, des formations, et de tout ce qui m'anime avec une passion dévorante. Tous les contenus ici de vidéo sont entièrement gratuits. Sachez évidemment que parfois il y a des liens vers des endroits où je propose notamment des formations payantes. Songez à une seule chose, si à un endroit il n'y avait aucun contenu payant, il n'y aurait jamais de contenu gratuit. Et là aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'anime. Beaucoup de gratitude vraiment envers vous toutes et tous, fidèles à cet endroit. Et je suis absolument ravi de vous proposer ce moment ensemble pour une séance d'hypnose destinée à faciliter votre endormissement. Et c'est bien évidemment la raison pour laquelle vous allez prendre le temps de vous allonger dans la position qui vous convient le mieux. Voilà, déjà pour créer une sensation de bien-être. N'hésitez pas à réajuster autant que nécessaire votre position maintenant ou dans les minutes qui vont suivre, à bouger pour rétablir un confort ainsi que de vérifier que le drap, la couette, la couverture, s'il y en a une, vous mettent à l'aise. Et puis vous pouvez évidemment commencer à laisser aller quelque chose à l'intérieur de vous qui conduise à expérimenter un sentiment de sécurité, de paix à l'intérieur, même s'il y a encore du mouvement, même s'il y a encore des pensées dérangeantes, des images parasites. Il est possible que le fait simplement déjà de laisser les paupières se fermer, si ce n'est pas encore fait, puisse créer simplement un contact particulier avec les paupières supérieures et inférieures. Tout comme vous pouvez ressentir le contact avec l'endroit où vous vous trouvez. Contact avec un matelas, contact avec un drap, une couette, une couverture, avec votre oreiller. Soyez vraiment dans l'attention de tout ce qui vous conduit à être au contact avec un support, quel qu'il soit. Laissez vos muscles se relâcher à leur rythme. Avec une attention vraiment toute particulière au niveau des épaules. Comme si vous ne cherchiez en fait qu'une seule chose, c'est de déposer vos valises, de vous poser pour ce moment ensemble. Les épaules qui se relâchent lentement. Et à mesure que votre corps se dépose, que vous êtes en contact avec ces différents supports, que vous entendez ma voix et cette musique qui est là, vous éveillez ce sentiment de sécurité à l'intérieur de vous, cette sécurité qui ouvre à une sérénité, à l'écoute aussi de tout ce qui se passe dans votre corps, des muscles qui continuent à se relâcher, comme si à un moment donné vous pouviez presque fusionner avec toutes les matières avec lesquelles vous êtes en contact, comme si tout cela ne pouvait faire qu'un. Vous savez aussi que petit à petit dans cette expérience, il n'y aura plus rien à faire, plus aucun effort à réaliser, y compris aucun effort pour chercher à vous relaxer.
Vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé de vous endormir maintenant, de glisser dans un sommeil agréable et profond. En quelques instants, c'est plutôt une sorte de libération qui va s'installer. Comme si vous pouviez vous donner complètement à l'endroit. Comme si les muscles devenaient aussi mous que du coton. Et au gré de votre respiration, ça devient peut-être même encore plus moelleux, encore plus relâché, détendu. Souvent, quand quelque chose se relâche intérieur, la respiration change, elle se régule. Et vous accompagnez ce rythme d'ailleurs avec ce mouvement d'inspiration profond, d'expiration lente. À chaque inspiration, vous faites entrer à l'intérieur de vous une énergie nouvelle, une énergie réparatrice. Régénératrice. Et à l'expiration, vous laissez aller à l'extérieur toute énergie usée, tout ce qui a été amené à s'emmagasiner à l'intérieur de vous dans votre journée et qui peut à présent se décharger, se dégager par vos expirations. Des inspirations lentes, profondes, et des expirations tout aussi lentes. Et déjà, vous allez laisser venir à l'avant de votre esprit l'image de l'orée d'une forêt. Vous ne savez pas vraiment comment vous êtes arrivé sur ces lieux. Vous vous retournez et vous faites connaissance avec l'environnement qui vous entoure. Vous distinguez un sentier assez grossier, fait de galets dont les teintes marron et grise se marient parfaitement ensemble. Le temps est plutôt favorable et la température procure une chaleur douce, très agréable. Cette température que vous pouvez laisser glisser au niveau de votre front, sur les cheveux, sur le crâne. Et qui vient dégager encore un peu plus toute la sphère du mental. Comme juste parfois il y a à laisser faire. Et dans cet environnement, vous portez des vêtements plutôt légers,
ample, avec même vos couleurs préférées. Vous portez aussi une paire de chaussures que vous sentez à peine à vos pieds parce que l'intérieur semble avoir été fait avec du coton. Il n'y a personne à l'horizon, aucune trace d'activité ou de passage, comme si personne n'avait mis les pieds dans ces lieux. Et vous vous remettez face à l'entrée de la forêt et vous pouvez apercevoir des arbres majestueux de part et d'autre du chemin qui s'offre juste devant vous. Les branches des arbres ainsi que les feuilles recouvrent presque la totalité du ciel et seulement quelques rayons du soleil traversent les espaces vides pour se conjuguer au sol. Vous repérez un rayon de soleil et vous ressentez l'envie de recevoir cette chaleur et vous marchez lentement. Tout en remarquant que vos pieds sont chaussés de ce coton. Vous prenez le temps d'avancer vers le rayon du soleil et vous ressentez comme une forme de hâte à l'idée de goûter à cette chaleur. Commencez à sourire et un climat de détente s'installe encore un peu plus profondément à l'intérieur, comme si d'ailleurs depuis un moment déjà vous étiez en train de glisser à l'intérieur même de votre propre transe. Prenons conscience de cette réalité, de l'endroit où vous êtes et en même temps déjà des parties de vous à l'intérieur même aussi, de cette propre transe, de cet environnement où vous vous sentez bien. Vous arrivez à hauteur du rayon du soleil et vous plongez votre corps tout entier à l'intérieur de cette chaleur du soleil qui se confond immédiatement avec votre enveloppe corporelle, avec votre peau. Vos yeux sont fermés et la température est si agréable qu'elle vous procure des frissons rassurants, qui renforce votre bien-être. Prenez le temps de ressentir cette chaleur parce que rien ne presse. Laissez-la parcourir tout votre corps. Profitez-en, détendez-vous. Vos muscles
complètement détendu, sans pression. Au fond, votre corps est déjà en train de lâcher prise. Et vous appréciez ce moment. Accordez-vous quelques minutes pour profiter de cet instant. Vous avez déjà ressenti ces émotions de plénitude et de bien-être intense. Et vous êtes heureux de retrouver cet état. Alors continuez à profiter. Car quelque chose de merveilleux vous attend dans cette forêt. Vous avez à la fois hâte de vous aventurer au cœur de cette nature profonde et en même temps avec ce sentiment que ce rayon de soleil est profitable et prépare aussi à cette découverte. Alors pour le moment, continuez à profiter. Savourez cet instant. Cette chaleur, parce que cela vous fait du bien et vous plonge dans un état de détente encore un peu plus intense et à chaque instant qui passe encore un peu plus intense que le moment précédent. Et puis vous décidez d'entamer votre petite balade, prête à découvrir la beauté de cette forêt. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend et vous laissez le mystère faire son travail. Et vous marchez. Plein de sérénité à l'intérieur. Et cette ambiance d'ailleurs est de plus en plus chaleureuse, bien que vous soyez seul. Cela ne dérange rien, bien au contraire, à la qualité de ce moment unique. Rien que pour vous, vous avancez dans cette sérénité et en même temps avec cette forme d'excitation d'explorer les moindres recoins de cet environnement. Vous profitez de cette balade en pleine nature.
pour vous vider l'esprit, pour évacuer tous les sentiments potentiellement négatifs, pour clarifier votre mental. L'air de la forêt vous procure énormément de bien. Et elle vous offre des énergies naturelles et apaisantes. Vous inspirez et expirez. Vous pouvez même imaginer vos poumons se remplir de pureté. Pendant votre marche, vous procédez à un nettoyage de l'intérieur. Et cela vous fait énormément de bien. Et vous comprenez que cette petite balade vous aide à vous détendre en prenant conscience du moment présent et du bien-être dans lequel vous vous plongez petit à petit. Vous êtes entouré de magnifiques choses, que cela soit la nature et tous les habitants qui l'occupent. Et vous êtes concentré aussi sur vous-même. Votre respiration est régulière. Et vous êtes ouverte à la détente et au laisser-aller. Il est possible qu'une part de vous soit encore attentive à ce qui se passe dans la pièce où vous vous trouvez, peut-être à ma voix qui vous accompagne ou cette musique qui est là, ou quoi que ce soit d'autre. Présent dans votre environnement et cela contribue même à favoriser votre détente et votre laisser-aller parce que dans un moment, mais pas encore et dans un moment, cette détente va même s'approfondir au point peut-être de commencer à perdre un peu la notion du temps, de l'espace. Il est possible aussi que vous puissiez continuer à entendre ma voix sans vraiment l'entendre, tout comme vous allez voir sans voir et sentir sans ressentir toutes ces choses que ma voix propose, comme de remarquer ces traces de pas sur le sol, qui n'ont rien à voir avec les traces d'un animal. Ce ne sont pas non plus des traces de pas humains. Cela vous étonne d'ailleurs, car aucun indice ne vous aurait laissé croire que quelques personnes puissent être dans les parages. Cela peut vous perturber bien sûr, un petit peu, mais vous continuez votre marche sans y prêter de réelle attention. C'est un moment qui vous appartient et
vous choisissez d'en profiter sans que rien ne puisse vous détourner de votre bien-être, de votre sérénité. Et c'est ainsi que vous avancez et que vous vous laissez emporter vers où les énergies veulent bien vous guider. Encore une fois, vous ne connaissez pas les lieux, mais il y a comme une ambiance magique. Sur votre chemin, d'ailleurs, vous apercevez un art plutôt spécial. Ce sont des galets de pierre empilés les uns sur les autres. Le plus large se trouve à la base, et le tout forme une pyramide avec des galets de moins en moins épais. Vous vous approchez d'un pas très intrigué, et bien que vous ne compreniez pas la disposition de ces pierres, vous y trouvez une certaine harmonie, comme un genre d'équilibre. Vous observez ces pierres. Vous prenez quelques instants pour tenter de reproduire la même chose. Vous tentez de trouver une pierre qui servira de base, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir former une pyramide. Et à chaque fois que vous parvenez à reproduire cette dernière, elle s'écroule et vous recommencez. Elle s'écroule de nouveau et vous recommencez encore une fois. Et ainsi de suite. Et puis vous vous arrêtez un moment, en vous posant dans l'herbe, en essayant de comprendre comment cela peut fonctionner. Et après une longue réflexion, vous inspirez l'oxygène qui vous entoure et vous expirez et vous répétez cela 3 fois. Et puis vous recommencez. Vous reprenez vos pierres. Et vous tentez de reproduire cette pyramide. Posez la première pierre au sol. Et lorsque vous appliquez la deuxième, vous vous rendez compte que vous ne le faites pas comme les premières fois. À ce moment-là, vous tentez de conserver un équilibre. Et vous vous ancrez dans les énergies de cette forêt mystérieuse. Et c'est de cette manière-là que vous parvenez à reproduire de vos propres mains cette somptueuse pyramide de galets.
et c'est en étant très satisfaite que vous reprenez votre balade et que vous vous rendez compte au fond qu'il suffisait simplement de s'ancrer pour maintenir un équilibre. Et cette réflexion vous ouvre les yeux sur cette forêt que vous explorez depuis un bon moment déjà. Vous vous ancrez. Vous vous enracinez. Comme si des petites racines sortaient de vous pour s'enfoncer dans les profondeurs de cette terre, comme le font les arbres centenaires autour de vous. Et en étant bien plus enraciné, vous continuez cette marche avec une sensation en même temps de récupération, de réparation, comme si quelque chose s'était déjà régénéré à l'intérieur et que vous savez que vous vous détendez, que cela fait du bien. Alors vous vous enfoncez, vous plongez de plus en plus dans cette forêt, en ressentant encore un peu plus les énergies qui vous entourent. Ce sont des énergies plus ou moins mystiques et magiques. D'ailleurs, en y regardant de plus près, vous avez l'impression d'être dans le genre de forêt qui pourrait être très facilement fréquentée par des êtres magiques. Elle vous rappelle un peu une ambiance médiévale. Vous avez même l'impression d'entendre des mélodies celtiques, une mélodie qui résonne dans votre esprit, une mélodie très douce qui vous donne des frissons. Comme si vous entendiez la voix d'une femme, une voix cristalline, apaisante, enivrante. Une voix qui vous apporte de la sécurité, de la plénitude et des émotions peuvent même jaillir à cet instant et vous vous mettez à danser seul dans cette forêt, libre et libéré. Laissez-vous emporter lentement au rythme de cette mélodie. Imprégnez-vous de cette magie. Et puis vous vous arrêtez lentement, pas à pas, et vous souriez de bonheur. Vous vous êtes confondu à l'esprit de la forêt
et sans le savoir. Vous en avez percé tous les mystères. Les mystères de la forêt, de cette jolie Bretagne. La forêt peuplée de mystères, de légendes, où se montrent encore très souvent tous les personnages de la légende du roi Arthur. Au fond de vous, vous saviez que déjà, toutes ces énergies présentes dans ce lieu vous emmenaient pas à pas à la découverte de la forêt de Brocéliande, où vivent encore la fée Viviane, Merlin l'Enchanteur, le maître de la forêt. La forêt de Brocéliande. Vous comprenez à présent cette ambiance mystérieuse, magique, enivrante, et sans vous en rendre compte, vous apercevez à quelques mètres de vous, au milieu des arbres et de la végétation, une bâtisse au loin, construite de briques blanches, légèrement rosées. Vous avez compris que la magie de la forêt vous a mis sur le chemin de cette maison et vous vous en approchez tranquillement. Et plus vous vous approchez de cette maison, et plus votre corps se détend. Vos muscles se relâchent encore et encore. Ils se réchauffent et deviennent tendres. Votre visage, lui aussi, est détendu, lisse. Et vos paupières, de plus en plus lourdes. Tout comme votre corps, de plus en plus lourd. Et arrivé au seuil de la porte, un écriteau en or dévoile le nom du maître des lieux, Merlin. Et la porte s'ouvre devant vous, comme par magie. Vous vous invitez à l'intérieur et des odeurs de jasmin, de rose, de lavande viennent saluer vos narines. Et vous remarquez une pièce à votre gauche. Vous y entrez. Une
une cheminée est allumée dans le coin et fait crépiter le bois à l'intérieur. Et sur une table, dressée avec une coupe en or et votre prénom gravé dessus, vous prenez cette coupe contenant une boisson dont les odeurs sont très attirantes. Mais avant de boire quelques gorgées, vous prenez soin de vous asseoir dans le fauteuil se trouvant à droite de la table, près de la cheminée. Ce fauteuil est très confortable. Vous pourriez y passer tout le restant de votre vie. Votre corps en épouse chaque recoin, comme si ce dernier avait été fait sur mesure pour vous. Vous approchez la coupe de votre bouche et vous buvez quelques gorgées. Cette boisson traverse tout votre corps comme une énergie douce et foudroyante à la fois, et elle vous détend, détend. Vous reprenez quelques gorgées supplémentaires et vos paupières se referment lentement, agréablement. Votre esprit rempli de souvenirs de toute cette magie, de toutes ces sensations, et vous somnolez lentement. Votre respiration est plus lente et vous vous apprêtez à vous endormir. L'esprit rempli de toute cette magie, lentement. Et vous respirez. Comme ça. C'est très bien. Lentement, les paupières totalement fermées. Et plus rien n'a d'importance. Vous vous laissez bercer par les crépitements du feu de bois. Installé confortablement dans ce fauteuil. Et vous vous endormez au son de cette musique
lentement, profondément.